questions et réponses. Dans quelques minutes, on va donner la parole au docteur. Nous saluons tous ceux qui nous suivent les mercredis et nos salutations à M. Chérif Gungun, à nos fondateurs depuis Philippines. Et moi, je suis Fabrice Folizou Diapasso, je suis formé par le docteur Jean-Paul Amégan, je suis naturothérapeute. Donc, sans plus tarder, on va s'adresser au docteur Jean-Paul Amégan. Bonsoir, mais bonjour, monsieur docteur Jean-Paul Amégan. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les membres connectés, ceux que nous percevons, que nous voyons, et les autres aussi, que nous ne voyons pas, qui sont en groupe quelque part. Bonsoir à tous. Bonjour et bonsoir à tous, selon notre position sur le globe. Merci. On est encore là. La fois dernière, je voulais ne plus revenir parler de l'hypertension parce que j'ai supposé que ce que je dois vous dire d'essentiel, de nécessaire pour comprendre l'hypertension et savoir quelle attitude adopter, je crois l'avoir totalement dit. Et le reste, ce qui reste à faire, c'est que vous appreniez à réfléchir par vous-même. C'est ce que je croyais, mais à la demande des gens de la salle, on a encore fait ramener ce thème aujourd'hui pour que les gens puissent mieux comprendre et poser des questions pour comprendre une fois pour de bon et pouvoir partager cette vérité en tache d'huile à tout le monde qui viendrait vers vous parce que vous êtes devenus maintenant des éclaireurs. Et la lumière que vous êtes, vous allez éclairer le chemin des autres, mais en même temps, vous éclairez votre chemin. C'est pour ça, aujourd'hui, vous poserez toutes les questions possibles sur cette fausse et maladie pour que plus jamais quelqu'un ne vienne vous le présenter comme un tueur silencieux. Plus jamais. Alors, nous sommes tous réunis et je commence toujours comme d'habitude. Quelles sont les malessences qui nous réunissent? Eh bien, la question du docteur, quelles sont les malessences qui nous réunissent? Levez la main et donnez votre réponse. Alors, ou bien vous envoyez carrément par écrit. Quelles sont les malessences qui nous réunissent? Il y a quelques questions, quelques réponses, bon, je ne sais pas, qui sont arrivées. Il y a Matondo qui dit bonsoir docteur Jean-Pierre et à tout le monde dans la salle. Bon, ce sont des salutations pour le docteur. Il y a Nansa qui dit bonsoir docteur, on nous a toujours dit que le vaccin permet de prévenir, mais on se rend compte que lorsque on fait le vaccin de hépatite, on nous parle du rappel. S'il vous plaît docteur, comment on peut expliquer ça? Donc ce sont des questions. Oui, ça, c'est des questions en dehors de ce que je viens de demander. Quelles sont les malessences qui nous réunissent? On s'occupe d'abord de ça. Oui, on aura à répondre à ces questions. Il y a Francine qui dit l'acidose et la coagulation sanguine. Il y a Dior qui dit acidose, coagulation sanguine. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas identifié qui dit coagulation du sang. Il y a Marcos qui dit acidose et coagulation. Il y a Toshiba qui dit manque d'oxygène et mauvaise circulation. Ce sont les réponses qui sont là pour le moment. Non, ça veut dire que tous ceux qui ont essayé de répondre ont bien répondu. Bravo à vous. Ça veut dire que vous suivez. Donc, dans toute notre vie jusqu'à notre mort, il n'y aura que ces deux problèmes-là. Pour qui le mot acidose est trop grave, ou bien trop compliqué à comprendre, je leur dis simplement que acidose veut dire manque d'oxygène, point. C'est-à-dire manque d'oxygène
pour nos cellules ou bien dans des organes. C'est ça qu'on appelle acidose. Point. Et la coagulation, c'est tout ce qui fait que le sang se prend en masse au lieu que ça soit fluide et que ça circule correctement, ça devient visqueux, ça se prend en masse, ça forme des caillots. Pas des cailloux, mais des caillots. Donc, voilà en gros, c'est les deux problèmes de la vie de tous les animaux et de la vie des humains que nous sommes. Sans oublier que nous restons des animaux. Alors, maintenant vous avez compris. J'espère, bien sûr. Compris, ça veut dire que vous pouvez raisonner avec. Dites-moi, quel est l'essence? Puisque vous m'avez parlé de malessence. Alors, parlez-moi maintenant de l'essence de la vie. Eh bien, on a parlé de la malessence. Maintenant, parlez-nous de l'essence de la vie. C'est quoi l'essence de la vie? À vos claviers, s'il vous plaît. Il y a Dior qui dit déjà circulation sanguine. Il y a Kadiatou qui dit circulation sanguine toujours. Toshiba qui dit circulation sanguine. Marcos, circulation sanguine. Il y a Romaris qui dit c'est la circulation sanguine. Bravo à vous, c'est la bonne réponse. L'essence de la vie, c'est la circulation sanguine. Mais ce que je vais vous dire, ne répétez pas le mot comme ça, ce que je vais vous dire, l'essence de quelque chose, c'est ce sans quoi la chose est possible. Ce sans quoi la chose est impossible. L'essence de quelque chose, c'est ce qui fait de la chose la chose. C'est pour ça qu'on dit l'essence de la vie, animale ou humaine, c'est la bonne réponse, c'est la circulation sanguine. Parce que la vie n'est pas possible. La vie animale n'est pas possible sans circulation sanguine. Quoique, quand on parle de vie, on dit la vie. Globalement, c'est la vibration. La vie des organes, des autres choses que nous pouvons considérer comme des choses inertes, c'est les vibrations. Mais pour l'humain, ce qui signe sa vie en tant qu'animal et humain, c'est la circulation sanguine. Sans circulation sanguine, il n'y a pas de vie humaine ou animale. Ça n'existe pas. Donc, gardez ça en tête. L'essence de toute chose, c'est ce sans quoi la chose est impossible. La vie animale est impossible sans circulation sanguine. Et ça, désormais, vous le savez. Alors, la circulation sanguine est un train. Un train est fait pour transporter, pour aller d'un lieu à l'autre. Eh bien, je veux savoir ce que le train transporte, c'est-à-dire, quel est l'essentiel? Alors, quel est l'essentiel de la vie humaine ou bien de la vie animale? Il y a déjà Marcos qui envoie une réponse, il dit l'oxygène. Il y a toujours Tante Nandi qui dit oxygène, Toshiba qui dit oxygène, il y a Dior aussi qui dit oxygène. Bravo, 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 bravo à vous. Vous êtes tous déjà des santé-saints en devenir. Bien. Puisque vous savez maintenant que la vie n'est que oxygène et circulation, c'est-à-dire transport de l'oxygène. Quand quelqu'un vient vers vous pour vous demander, je veux savoir dans quel état je suis, c'est-à-dire quelle est ma situation, quel est mon problème de santé, ou bien quel est, je veux faire un check-up chez vous, qu'est-ce que vous devez lui demander, ou bien qu'est-ce que vous devez lui faire? Eh bien, quelqu'un qui vient en consultation vers vous, lui demande, bon, je veux connaître... Quelqu'un qui vient vous demander conseil, en consultation, vient vous demander conseil. Le conseil aussi, c'est la consultation. Quelqu'un qui vient vous demander conseil, hein, il veut savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour savoir quel est son état de santé,
Qu'est-ce que vous allez lui demander? Qu'est-ce que vous allez lui faire? Eh bien, à vos claviers, qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à la personne? Je crois que les gens sont en train de réfléchir. Ils vont envoyer les réponses tout de suite. Tout cela était donné ici. Et c'est pour Oui. ça que je le rappelle tout le temps, parce que ça, là, hein, normalement, à l'école primaire, au CP1, CP2, on doit connaître ça. C'est-à-dire, ça doit être enseigné au CP1, CP2. CE1, on doit connaître ça parfaitement. Il y a les réponses qui sont déjà là. Et il y a Marcus qui dit et NFS, Dedimer, TPINR. Et il Bravo. y a. Mais Bonjour le Marcus. dédimère ne s'écrit pas comme ça. Hein. J'ai vu plusieurs fois, on l'avait écrit ici. Le Hein? dédimère ne s'écrit pas comme ça. Oui. Hein? Parce que quand vous allez demander ça à un laboratoire de vous faire les dédimères, si vous n'arrivez pas à écrire ça correctement, il va se moquer de vous. Oui. Donc arrêtez de faire de ces erreurs-là. La fois dernière, j'ai vu aussi écrire la dédimère comme ça, mais ce n'est pas comme ça s'écrit. Bon, vous avez demandé les analyses. La personne fait un bilan de santé, mais quel est le premier bilan que vous devez lui faire d'abord avant de lui demander ses analyses? Quel est le premier bilan que vous devez lui faire? Ça, tout ce que vous aviez dit, la NFS, le TPINR. Dédimère, l'oxymètre. Dédimère, c'est bon. L'oxymètre, on ne demande pas l'oxymètre. Pardon. Qu'est-ce que vous devez faire vous-même en tant que naturothérapeute ou thérapeute avant de demander à la personne d'aller faire ces analyses-là? Il y a Khadija qui dit on prend la tension artérielle, vérifier la C'est tension. tout? C'est tout? Je vous écoute. Hein? Une minute, juste. Ouais. Eh bien, envoyez les réponses. Il est temps pour le docteur de revenir sur scène. Il y a déjà Dior qui dit prélever la tension artérielle, oxygénation du sang, NFS, Dedimer, TPINR. Il y a Romanus qui dit il faut vérifier son état d'oxygénation et de circulation sanguine à travers des analyses. Vous voyez que vous avez l'idée, mais vous n'arrivez pas à dire les choses correctement. La personne qui vient vers vous et qui veut savoir son état de santé, la première des choses à lui faire, c'est quoi? C'est de lui prendre l'attention. Oui. La deuxième chose, c'est mesurer la saturation en oxygène de son sang. C'est ce à quoi sert l'oxymètre. Comprenez très bien. La personne vient vers vous, la première des choses, c'est de lui prendre sa tension et en même temps de vérifier sa saturation en oxygène. Et c'est de deux petits appareils que vous devez, en tant que naturothérapeute, avoir. La tension vous donne une idée de la circulation sanguine et l'oxymètre vous donne une idée de l'acidose ou pas, de l'oxygénation. Et c'est les deux fondamentaux. Vous voyez, tout est cohérent. Hein, ce que je vous ai dit, c'est cohérent. C'est-à-dire, déjà, de l'essence de la vie, des malessences de la vie. Donc, quand la personne vient pour son état de santé, c'est de contrôler les malessences. Contrôler les malessences, c'est prendre l'attention. Ensuite, vérifier la saturation en oxygène. Pour aller plus loin dans le bilan de santé ou bien dans son check-up, vous devez faire la NFS. Vous devez faire le TPINR. Vous devez faire les dédimères. Avec ça, cette petite analyse-là, cette petite consultation, vous saurez exactement quel est l'état de santé de la personne. Je parle d'état de santé. Je ne parle pas de maladie, parce que maladie, c'est toute autre chose. Mais savoir l'état de santé de la personne ne demande que ça.
Vous tous qui prétendez soigner ou bien qui veulent aller proposer des solutions aux gens, ça doit être aussi facile que boire et faire pipi, ce que je viens de dire là. Si vous n'êtes pas capable de sortir ça facilement, ça veut dire qu'on est au CP, au CP, vous n'avez pas encore quitté pour aller au CI. Hein, c'est le béaba. J'ai pris tout le temps pour vous expliquer ça, parce qu'on parle de santé. Et si on parle de santé, la santé doit être contrôlée. Et je vous ai dit ici que tout cela devait se faire normalement par tout le monde. Maintenant, je vais plus loin. Pour ceux qui ont déjà fait et compris ça, je vais plus loin. Et pour vous dire que, ou bien pour vous demander, quand vous prenez l'attention, quelles sont les informations que l'attention vous donne? Eh bien, quand vous prenez l'attention, quelles sont les informations que l'attention vous donne? Eh bien, nous sommes dans une salle où il y a le donner et le recevoir. Donc, envoyez vite vos réponses. Quelles sont les informations? Je crois que les gens sont sur leur clavier. Quelles sont les informations que la tension vous donne, c'est-à-dire la prise de tension vous donne. Et c'est avec ça que vous devez raisonner. C'est-à-dire l'alerte et tout doivent se voir dans ça. Eh bien, il y a Dieu qui envoie une réponse. Les états du cœur, des vaisseaux sanguins et de la vitesse de la circulation sanguine. C'est de Dieu. Qui dit autre chose? C'est bien, c'est très bien, mais qui dit autre chose? Y a Bézan qui dit systole et puis distole. Ces mots barbares là, moi, je ne les connais pas et puis Il y a Romanus. j'ai pas partagé les informations avec ces mots barbares, même si je suis passé là-dessus. C'est mal écrit, c'est diastole et Oui. systole. OK. Diastole et Mais puis. c'est pas ça. Prenez les trucs terre à terre. Hein? Les mots savants de couvent, la médecine est un couvent. Et on a un langage consacré qui n'est pas le langage vulgaire. Mais c'est parce qu'on l'a fait comme ça qu'on arrive à endoctriner correctement des gens. Il faut se départir pour comprendre les choses terre à terre. Ce n'est pas parce qu'on sort de gros mots qu'on est gros diplômé ou bien qu'on connaît. Ce n'est pas vrai. On peut répéter bêtement de gros mots sans comprendre grand-chose. La tension que vous prenez, cette tension vous donne des informations. Et quelles sont les informations que cette tension vous donne? Eh bien, il y a Comme j'ai Romanus dit, c'est-à-dire la qui systolique, c'est le mot qui doit sortir. La diastolique, c'est-à-dire comment l'appelle-t-on, la maxima ou la maximale et la minima. Je préfère ces mots terre à terre. Les gros mots de médecine, non, laissez ça de côté. La maxima et la minima, c'est ce que ça veut dire, systolique, diastolique. OK, Je ne vous ai ça pas marche. dit systole et diastole, ça c'est tout autre chose. Mais le chiffre, c'est la systolique et la diastolique. Mais je préfère que vous gardiez ici, vous ne sortez plus ces gros mots-là, qu'un médecin le dit, vous comprenez, mais vous ne sortez plus ces mots. Dites aux gens la maximale et la minimale. Ou bien la maxima et la minima, tout simplement. Mais je reviens sur la réponse que Madame Dior a envoyée, c'est ce qui est plus exact. Oui, elle dit les états du cœur des vaisseaux. Bon, dire l'état du cœur, c'est vague, mais je vois. C'est-à-dire, c'est la force du cœur. C'est la force du cœur. La maxima,
la maximale ou la systolique, si vous voulez, montre la capacité qu'a votre cœur de forcer. C'est pourquoi elle a dit, c'est l'état du cœur, oui, c'est la force du cœur. Il faut que ça rentre, parce qu'on ne va plus revenir sur ces choses-là, c'est du béaba. Et vous devez être à l'aise pour expliquer ça à quelqu'un qui a des problèmes de santé. Si vous êtes incapable de lui dire ça, bof, vous voyez, il ne peut pas vous faire confiance. Avec des mots terre à terre, vous n'avez pas besoin de gros mots. La minima, le deuxième chiffre, la minima ou la minimale, ou ce que l'autre voulait appeler diastolique, ce que l'autre voulait appeler diastolique, ou bien qu'on appelle diastolique, mais ce gros mot-là, pardon, mettez ça de côté. La minimale exprime l'état des vaisseaux sanguins, la souplesse des vaisseaux sanguins. On ne va plus revenir là-dessus. Si quelqu'un veut revenir là-dessus, je le renvoie à nos vidéos. Parce que si on veut avancer, si on n'a pas les B1, bah on ne peut pas. C'est comme les calculs. Si tu ne connais pas les 10 chiffres, tu ne peux pas avancer. Et on ne va pas traîner à répéter les 10 chiffres ou bien les lettres de l'alphabet. On ne fera pas ça. Maintenant, les équipements de tension que nous avons aujourd'hui, qui sont assez performants, nous ajoutent un troisième indicateur. C'est quoi le troisième indicateur? Eh bien, le troisième indicateur des appareils que nous utilisons aujourd'hui, c'est quoi? En En dehors de réalité. la maxima et de la minima, les appareils que nous avons nous donnent un troisième indicateur. Eh Non, bien. ce n'est pas. Quelqu'un m'a mis oscillomètre. Non. Voilà. C'est le pouls. Le Merci pour pouls. ce qui. C'est le pouls. Le pouls ne s'écrit pas comme les gens l'ont mis. Les gens l'écrivent en anglais. Oh, en anglais, c'est la piscine. Oui, POP2OL. Oui, P2OL. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle de POU. LS. Ouais. Le poule. Voilà. Mais on le lit comme le pouls et les gens peuvent le confondre aussi à la petite bête que l'on a sur la tête souvent ou bien ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est le pouls. Le pouls exprime quoi? Eh bien, le pouls exprime quoi? Qu'est-ce que Les le gens pouls l'ont exprime? dit, hein? Mais je repose la question pour que la précision soit gardée. Le pouls, qui est le troisième indicateur que les appareils à tension nous donnent, ou bien que les oscillomètres aussi peuvent donner, parce que les oscillomètres donnent toujours le pouls, et puis je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Le pouls exprime quoi? Le battement. Mais vous devez dire autre chose, parce qu'ici, le pouls veut dire autre chose. Vous devez le comprendre autrement. C'est vrai que le pouls, c'est le battement. En disant que le pouls est le battement, vous n'avez rien dit. Tout le monde sait que le pouls, c'est le battement. Vous n'avez rien dit. Il y a Kadidiatou qui dit battement cardiaque par minute. Non, vous n'avez rien dit. Même si on dit la fréquence, vous n'avez rien dit. Je vous ai dit ça ici. Et dans la réponse que Madame Dior a donnée, il y a ça dedans. Vous voyez, si on doit venir chaque fois et qu'on soit obligé de répéter les mêmes choses comme non, c'est pas bien. Parce que vous ne payez pas, c'est pas, on n'est pas dans quelque chose où vous payez pour assister.
Ou bien parce que vous ne payez pas, vous ne savez pas qu'on dépense beaucoup des énergies pour vous le donner. Non. Et vous, le minimum que vous devez faire, c'est au moins de réécouter ces vidéos et de pouvoir comprendre ce que c'est. Parce que vous voyez, quand on se réunit ici une fois par semaine, tout le reste du temps, vous nagez dans les mensonges répétés par les radios, les universités, les priorités maladie qu'on appelle priorité santé. Vous nagez dans cette boue-là. Si vous ne voulez pas vous extraire de cette boue, vous n'en sortirez jamais. Donc, vous devez faire le minimum d'être dans un autre environnement et de raisonner autrement. Ça veut dire, vous devez prendre le temps de réécouter ce qu'on a partagé et de repenser ce qu'on a partagé. Madame Dior l'a dit en troisième position, elle l'a dit. Et ça, vous devez le savoir. Jusque-là, tous ceux qui envoient leur réponse, ils n'en parlent pas. Hein, c'est pas bien. C'est pas bien. Fréquence, c'est oui. Fréquence et battement. Hein, ça dit, il faut comprendre ça autrement. Qui peut me dire encore ce que c'est? Voilà. Il y a Tida Touré qui dit vitesse. Ben Il y voilà. a C'est la vitesse de circulation, c'est-à-dire le nombre de fois que le sang devait faire le tour du corps pour vous apporter le minimum d'oxygène. C'est la vitesse de la circulation. C'est le mot que je vous ai donné ici. Hein? Comprenez, hein, la vitesse de la circulation. Comprenez ça très bien. Le nombre de voyages que le sang doit faire pour vous apporter l'oxygène nécessaire. C'est ça qu'on appelle poux. Pour ceux qui ont fait un peu de physique et de mathématiques, ils comprennent. Lorsque tu fais des choses par le temps, ça s'appelle vitesse. Oui, ça s'appelle vitesse. La fréquence est une vitesse. Seulement, on dit fréquence à cause du nombre de périodes. La définition, c'est la répétition de la période. Or, nous ne voulons pas utiliser ces mots. C'est pour ça que je vous dis ici, c'est la vitesse du sang. C'est-à-dire le nombre de fois que le sang doit faire le tour de ton corps pour que tu ne manques pas d'oxygène. C'est ça, le pouls. Vous voyez que c'est tellement important quand la personne vient chez vous. Vous devez connaître la force du cœur, c'est-à-dire la pompe. Vous devez connaître l'état des vaisseaux, parce que la minima vous donne ça aussi en même temps. Et puis savoir l'obligation. Dès que vous avez ça, l'état des vaisseaux et le nombre de tours à faire pour que l'oxygène minimum soit disponible à vos cellules. Vous devez savoir en même temps, vous avez une idée de l'état de santé de la personne. Vous voyez? Maintenant, l'intelligence de la chose vient. Est-ce qu'un sportif qui fait des efforts, chez qui? Non, qui fait des efforts, est-ce que le pouls doit rester comme si il ne faisait pas d'efforts? Lorsque vous prenez un sportif qui est en train de faire des efforts, est-ce que le pouls doit rester comme si il était au repos? Eh bien, il y a déjà des réponses qui viennent. Il y a Dior qui dit non. Bien. Alors, pourquoi non? C'est la bonne réponse, mais pourquoi non? Eh bien, pourquoi non? Si Dior peut lever la main, on lui donne la parole et puis nous explique pourquoi.
Pourquoi non? Pourquoi non? Et s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, ils peuvent envoyer leur réponse par écrit. Pourquoi non? Pourquoi le pour ne sera pas le même? Un sportif en exercice, son pour avec quand il est au repos. Est-ce que ça sera la même chose? On a dit non. Maintenant, pourquoi non? La bonne réponse est non, mais pourquoi non? C'est-à-dire, je veux savoir si vous avez compris. Pourquoi non? Eh bien, il y a Fred qui dit « à cause du besoin en oxygène du corps ». Il y a Tanté Nandier qui dit « le cœur est plus sollicité ». Oui, et quand corps. Il met, pardon, on va aller doucement. Quand il met « à cause du besoin en oxygène du corps », est-ce que quand on est au repos, on n'a pas de besoin en oxygène du corps? On en a. Il voulait dire quelque chose qu'il n'a pas bien dit. Eh bien, c'est pas explicite. Oui. Je crois que Fred serait en train de réécrire sa réponse. Bon, monsieur Adoko l'a dit. Vous voyez, Adoko l'a dit. Là, l'écran, c'est-à-dire que. L'oxygène est élevé. Voilà, le besoin en oxygène est plus élevé parce que l'effort qu'il doit faire exige plus d'oxygène. Donc, vous voyez, le sang doit faire beaucoup plus de travail. De tours, c'est-à-dire, doit accélérer. L'apport doit être plus élevé. C'est-à-dire, le voyage de l'oxygène, du train d'oxygène, doit être plus élevé. Et ce qui est logique. Maintenant, est-ce que lorsqu'on a le voyage qui est plus élevé, est-ce que la tension de quelqu'un qui est en train de faire du sport serait sa tension au repos? Eh bien, voyez vos réponses rapidement. Quelqu'un qui est en exercice, un sportif qui est en exercice, est-ce que sa tension sera la même qu'au repos? Il y a aussi qui dit Maoubi qui dit non. Il y a Gia Colani qui dit non. C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse, mais pourquoi non? Vous allez voir. Et je vais vous dire, je voulais vous dire quelque chose, c'est pour ça que j'ai posé la question. Pourquoi non? C'est la bonne réponse, hein? Pourquoi non? Eh bien, tous ceux qui ont envoyé non, 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 pourquoi non? Répondez aussi, s'il vous plaît. Pourquoi les tensions ne devaient pas être les mêmes? Pourquoi quelqu'un qui est en train de faire du sport, sa tension doit avoir une valeur donnée et comparée à sa tension au repos ne peut pas être la même chose. Alors, vous avez bien répondu, mais je demande maintenant pourquoi non? Pourquoi sa tension ne doit pas être la même chose? Quelqu'un a mis parce que la vitesse du cœur. Ce n'est pas une réponse. Parce que je vide. Je ne sais pas. La personne devait savoir qu'il n'a pas répondu. Il y a Nefertiti qui dit « Le cœur fait plus de travail en ce moment. » Est-ce que c'est ça qui explique le fait que la tension monte? Parce que la tension monte. Il est en train de faire des efforts, la tension monte. Ici, je vous ai donné la formule de la mesure de la tension, la formule la plus banale. Et cette formule vous montrait le lien qu'il y a entre la tension et la fréquence. Et un sportif qui fait du sport, on suppose qu'il est en très bon état. Quand la fréquence augmente, quand la fréquence cardiaque augmente, c'est normal que la tension monte. Et la tension monte, en effet. Mais vous voyez que ce n'est pas parce que la tension du sportif monte qu'il est considéré comme avoir un problème. Parce qu'il a besoin de plus d'oxygène, il a besoin de plus d'efforts. En faisant l'effort, la fréquence fait que la tension monte naturellement. Et c'est pour ça que
C'est pour ça que lorsque vous voulez prendre l'attention de quelqu'un avant de penser supposément qu'il est malade, vous devez prendre l'attention au repos. Est-ce que c'est clair? Oui, très clair. Vous devez prendre l'attention au repos. Parce que quand tu fais l'effort, c'est normal que l'attention monte. Et c'est pour ça que quelqu'un vient, on dit qu'il faut attendre 10 minutes ou 20 minutes ou 15 minutes avant qu'on te prenne l'attention. Et ça, avec les formules que vous aviez ici, vous devez pouvoir comprendre ça. C'est pour ça qu'on demande, parce que si on te prend l'attention en train de faire l'effort, ça ne veut rien dire. Quelqu'un de normal qui n'a aucun problème aussi, sa tension monte. Et je vous ai dit ici que la tension monte parce que la demande d'oxygène est plus grande. Donc, c'est la fréquence qui détermine ça. Maintenant, lorsque vous prenez l'attention au repos, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre l'attention au repos, et que l'attention est élevée, c'est là qu'il faut maintenant faire l'exercice de ce qui nous a réunis depuis 3 semaines. On dit qu'on peut voir l'attention élevée ou l'attention normale ou autre, ou basse. Ce qui nous a réunis depuis 3 semaines, c'est une tension élevée. J'espère que tout le cheminement vous a permis, depuis l'essence, l'essentiel et tout autre, que vous compreniez exactement comment est-ce que vous devez raisonner. Depuis l'essence, l'essentiel, les malessences, vous comprenez que la circulation a pour rôle de transporter l'oxygène. Donc, chaque fois que l'oxygène, la demande en oxygène augmente, la circulation augmente. Donc, la tension monte pour apporter ça. Mais ce que nous avons partagé ici concernant l'hypertension, c'est-à-dire l'hypertension mesurable au repos, la tension monte, la personne ne fait pas d'effort. Parce que dans les vaisseaux, le sang a des efforts à faire pour franchir les obstacles et apporter l'oxygène en périphérie à nous. C'est ça qu'on appelle l'hypertension. Et j'ai pris le temps de démontrer ici que l'hypertension est une solution. Elle est une solution. Elle n'est pas un problème. Le problème est caché quelque part. Et les gens ont su par sophisme pour montrer que cette hypertension est un problème. Et avec ça, ils ont pu par cynisme nous convaincre de soigner ce problème. Parce qu'ils l'ont qualifié de tueur silencieux. Je vous ai démontré que ça n'a pas été un problème, ce n'est pas un problème aujourd'hui, ça ne sera jamais un problème demain, et que ça n'a jamais créé de problème, c'est-à-dire d'AVC, d'arrêt cardiaque, d'insuffisance rénale, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, et que cette solution-là est l'urgent, l'urgentiste. C'est-à-dire Dieu en nous pour nous aider à survivre le temps de savoir qu'il y a un problème non réglé. C'est ça. Donc l'hypertension n'est pas une maladie comme on nous le dit. Ça n'a jamais été un problème. Ça ne peut pas être une maladie. Donc, l'ABC est de l'escroquerie. C'est du dol. Carrément. Et pire, c'est de l'assassinat programmé, comme le COVID et ses vaccins.
La médecine a toujours fonctionné comme ça. Seulement, la situation ne s'y prêtait pas pour qu'on le dévoile. Et lorsqu'on vous dit qu'un vaccin, désormais, ne vous protège contre rien, alors vous voyez l'utilité. Et c'est pour ça qu'un antihypertenseur ne vous protège contre rien, parce que les gens avec une tension normale font des AVC. Des gens sous antihypertenseur font des AVC. Et la vérité n'était pas donnée. Maintenant, vous le savez. Et vos partages depuis 3 semaines, c'est pour vous montrer que l'hypertension est Dieu en vous. L'hypertension est Dieu en vous. Et c'est l'urgentiste divin en vous. Nous l'avons combattu, 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 mais depuis la semaine dernière, ou bien les 2 dernières semaines, vous savez que on nous a toujours fait tuer les innocents et les coupables courent les rues, comme ceux qui ont vendu des vaccins à des milliards de fois pour tuer. Et les gens continuent à mourir, mais ils circulent librement. Il n'y a pas de Nuremberg pour eux. L'hypertension va envoyer plus. Si vous suivez la démarche que j'ai empruntée ce matin, ou bien cet après-midi, vous comprenez que on n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ce que je vous explique là. C'est pour ça que j'évite tout ce qui est formule consacrée et autres. Et je vais vous le dire. J'ai déjà la formule de la vie et de la mort. J'ai déjà l'équation de la vie et de la mort. Et vous savez que l'équation de la vie et de la mort n'est liée qu'au pouls. Mais je ne vais pas vous le donner. Ce n'est lié qu'à la vitesse. Les mathématiciens qui sont ici, ou bien les physiciens, je sais que ça va leur faire tilt. S'ils vont se mettre à réfléchir, c'est rien de génial. Comme tout ce qu'on partage, il n'y a rien de génial ici. Tout est terre à terre, hein? Je vous dis, les animaux n'ont pas besoin de médecins ni de scientifiques dans la brousse pour savoir comment vivre et comment se soigner. Donc, voilà en gros le résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et j'espère que maintenant vous comprenez très bien. Mais pour mieux comprendre encore, c'est la séance d'aujourd'hui. Alors, je répondrai à vos questions. Ou bien des questions liées à la compréhension de ce qu'on a partagé rapidement ce matin, ou bien des questions que vous n'avez pas pu poser les autres fois. On a fait le résumé, on a fait le chemin, et je vous le dis, que personne ne vous dise plus, l'hypertension a tué vos arrière-parents, a tué vos parents, a fait faire des AVC et autres, et que vous croyez. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. C'est du mensonge consacré. Vous devez plutôt béatifier. L'hypertension, j'ai essayé de le faire la semaine dernière. Je crois que Dieu a exaucé mes prières pour que désormais, vous qui êtes connectés ici, vous sachiez que l'hypertension, c'est Dieu en vous. Voilà. Mais vous ne devez pas le garder longtemps en vous parce qu'il a besoin de soigner d'autres aussi. Donc, quand il vient, vous l'aidez à se reposer le temps de venir à votre aide plus tard. Voilà. J'espère qu'on a bien résumé, non? Ah, j'ai parlé de l'urgentiste en vous. Donc, vous voyez, lorsque quelqu'un a des douleurs, je vais vous faire réfléchir, vous allez voir. Je veux que vous soyez des gens intellects, c'est-à-dire que vous fassiez ce qu'on appelle le cogito, bien le cogito, si je dois prononcer ça en français. Le cogito ergo sum. Le je pense, donc je suis de Descartes. Quelqu'un qui a des douleurs, est-ce que c'est normal que sa tension monte?
Eh bien, la salle, quelqu'un qui a la douleur, est-ce que Les c'est normal? douleurs, est-ce que c'est normal que cette tension monte? Vous allez voir que ce qu'on vous fait croire, science, 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 c'est rien du tout d'extraordinaire. Il y a Kadidiatou qui dit oui, il y a Romanus qui dit oui, il y a Dior aussi qui dit oui. Presque tout le monde dit oui. C'est la Marco. bonne réponse. Alors, expliquez-moi un peu comment se fait-il que c'est normal que quelqu'un qui a des douleurs, sa tension monte. On y va. Je veux que vous soyez je pense, donc je suis. Eh bien, comment se fait-il que quelqu'un qui a des douleurs, sa tension monte? On va voir s'il y a déjà des réponses qui sont là. Allez à vos claviers ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Comment se fait-il que quelqu'un qui a les douleurs, sa tension monte? Il y a presque tout le monde qui dit oui, que la tension va monter. Mais pourquoi? Pourquoi ça monte? J'ai vu déjà des réponses. Hein. Un monsieur au moins a envoyé une réponse. J'ai vu. Mais pourquoi? C'est normal que la tension monte lorsque la personne a des douleurs. Pourquoi? Si, OK, il y a Grisan qui dit, douleur étant un signal pour une mauvaise circulation du sang. Ben, vous voyez, mauvaise circulation de sang, ça veut dire baisse d'oxygène. Donc, le cœur doit faire plus d'efforts pour envoyer le sang. Vous voyez qu'on ne peut plus vous mentir que l'hypertension est une maladie. C'est normal, c'est logique. Parce que, ah, vous avez sorti quelque chose, hein, la douleur Oui, qui est il y a. l'alerte. Oui. La douleur, je l'ai glissée pour ne pas vous demander qu'est-ce que la douleur. Mais vous, j'ai vu déjà les bonnes réponses. Bravo à vous. La douleur déjà montre qu'il y a baisse de l'oxygénation de moins 4 cinquièmes. Donc, l'organisme doit s'efforcer à apporter l'oxygène. Ça veut dire que l'accélération doit se faire. Le battement cardiaque doit s'accélérer. La tension doit monter. Vous voyez que tout est logique, tout est normal. Une douleur, c'est normal que la tension monte, puisque la douleur exprime aussi des problèmes de circulation. De graves problèmes de circulation. C'est ça. Bravo à vous. Hein? Bravo, bravo, bravo à vous. Vous voyez, c'est maintenant facile de démontrer à quiconque que l'hypertension n'a jamais été une maladie et ça ne sera jamais une maladie. Et ça n'a jamais créé de problème à quelqu'un. Donc, maintenant aussi, puisqu'on a parlé de la douleur, vous comprenez très bien que la douleur est un messager, c'est un informateur. La douleur n'a rien à voir avec le fil électrique qui est en nous qu'on appelle le nerf. Ça n'a rien à voir. Le nerf n'est que l'informateur. Le nerf n'est que le messager. La douleur, c'est l'information, hein, qui vous dit que l'oxygène manque, que vous êtes en acidose grave, que vous avez une très mauvaise circulation. Vous voyez? C'est cette compréhension-là que vous devez avoir maintenant tout le temps, 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 devant tout. Et tous les problèmes de santé sont liés à ça. Mais je vais plus loin. Je vais vous poser une question aussi simple. Quand quelqu'un a des problèmes, des difficultés pour respirer, est-ce que c'est normal que sa tension monte? Eh bien, si quelqu'un a des difficultés pour respirer, est-ce que sa tension monte? Il y a Maoussi Maoui qui dit oui. Vous voyez que quand vous avez des problèmes de respiration, vous avez moins d'oxygène disponible. Et c'est normal. C'est totalement normal que la tension monte. Et ça, on connaît ça en médecine. Quand on casse les poumons, les côtes de quelqu'un, quelqu'un a un traumatisme thoracique, la tension monte. Et eux, ils appelaient ça en médecine l'hypertension paradoxale.
Hein? Toujours des mots pour endormir, pour flouer. On appelait ça l'hypertension paradoxale. Et ceux qui sont en comato, ceux qui ont souvent des accidentés, ils voient ça. Malheureusement, beaucoup ne savent pas que quand tu le vois, c'est l'oxygène qu'il faut donner. Et ils se mettent à donner quoi? Des antihypertenseurs. Et quelques temps après, on envoie le pauvre à la morgue. Vous voyez? Quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, quelqu'un qui s'étouffe, c'est normal que sa tension monte. C'est pour ça qu'on ramasse quelqu'un dans la rue. La première des choses qu'on lui met, c'est l'oxygène. Mais sans comprendre que c'est toute une logique, c'est toute une cohérence d'action. Parce que on a des protocoles, on applique les protocoles. Et dans le corps médical, on suppose que le médecin, lui, il comprend les trucs et il donne des ordres, il décide. Et il donne des ordres à qui? À l'infirmier, à la sage-femme ou aux auxiliaires médicaux qui sont avec lui dans son équipe. Mais on suppose que lui, il comprend. C'est pourquoi il donne des ordres. Or, lui-même, c'est un gros infirmier parce que lui aussi reçoit des protocoles auxquels il ne comprend rien. Donc, lui aussi, il est sous ordre. Vous voyez, le médecin lui-même est un gros infirmier qui est sous ordre parce qu'il ne comprend pas. Maintenant, vous comprenez, vous savez que la santé n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous raconte. Et toutes les maladies dont on nous rabat les oreilles tout le temps ne sont que de deux problèmes. La circulation et l'oxygénation. C'est tout. Alors, à vos questions et à mes réponses, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les éclaircissements. Moi, je voudrais donner l'occasion à M. Adoko. Adoko avait posé une question. Ah oui, et lui-même, il a déjà levé la main. On lui donne la parole, M. Adoko. Oui. Allô, M. Adoko, allumez oui. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, OK. Vous pouvez poser votre question maintenant. Merci. Effectivement, une question va s'ajouter à la première. La première, oui. J'avais demandé... Vous reposez la première question pour que tout le monde entende, parce que là, on est... D'accord, fou. La première question que j'avais posée, c'est l'utilisation du Levenox. Il se dit qu'en l'utilisant, il y a des risques d'hémorragie interne. Qu'en est-il exactement? La deuxième question? La deuxième question, pour parler de d'hyper et peut-être d'hypo, que nous ayons une idée de la normale. C'est quoi la normale en matière de tension? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, docteur, les questions sont à vous. Bien. La première question concernant le Levenox. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Levenox, je leur redis ça, c'est l'anticoagulant par excellence. C'est ça, dont une marque s'appelle Levenox. C'est-à-dire, pour moi, selon moi, c'est le meilleur qui soit. C'est du laboratoire Sanofi. C'est ça qu'on appelle Levenox. Donc, c'est un anticoagulant. Et c'est l'anticoagulant par excellence. C'est le produit que j'ai nommé Assurance Vie, que tout le monde doit avoir à la maison, que tous les malades doivent avoir dans leur sac à main, que tous ceux qui ont des risques de mort subite et autres dans leur famille et autres doivent avoir dans leur voiture. Vous voyez un peu, c'est l'assurance vie. C'est l'assurance vie. Je répète, c'est l'assurance vie, la vraie. C'est pas ce que vous payez dans vos trucs là. Non, c'est l'assurance, la vraie.
l'assurance vie. Vous voyez que on vous rembourse des médicaments qui vous tuent. Je répète, on vous rembourse des médicaments qui vous tuent. Allez comprendre ce qu'on appelle l'assurance. Tout n'est que mensonge. Mais bon, passons, on n'est pas réunis pour ça. Le Lovenox, c'est l'assurance vie. Et vous tous qui êtes ici, vous savez que tant que votre sang circule, vous êtes vivant. Tant que votre sang circule, vous êtes vivant. Maintenant, la question, on dit qu'il y a un risque d'hémorragie. Oui. C'est pour ça que j'ai dit aux gens ici, si la personne saigne extérieurement et que vous avez des preuves qu'il saigne, pour vous qui n'avez pas la maîtrise, et le comment on l'appelle, l'art, c'est-à-dire la science, hématologique, la science médicale, si la personne saigne, vous ne devez pas prendre le risque de lui faire du Lovenox. J'ai dit, si la personne saigne, c'est-à-dire, vous devez avoir des preuves de saignement extérieur. C'est ce que j'ai dit ici. Si la personne saigne, c'est-à-dire, vous avez des preuves de saignement extérieur, vous ne devez pas le mettre sous le Lovenox. Adoko est parti, mais c'est lui qui a posé la question. Je lui réponds. Je ne le vois plus là. Oui, il doit être à l'écoute. Donc, c'est ça. Maintenant, il a ajouté un mot malin, c'est-à-dire le mot dit hémorragie interne. Quand quelqu'un doit faire une hémorragie interne, on a les signes. C'est à partir d'un traumatisme donné la plupart du temps. Donc, vous voyez, ça pose un autre problème d'expertise. Quelqu'un qui a un traumatisme et qui perd connaissance, vous ne pouvez pas lui faire du Lovenox. Je reprends. Quelqu'un à qui on donne un coup violent, qui perd connaissance, qui tombe. Si vous lui faites du Lovenox, vous êtes criminel. Mais quelqu'un qui est malade longtemps, qui traîne, qui se débrouille, qui va, qui vient, et qui a ça, quel risque d'hémorragie interne vous de quel risque d'hémorragie interne vous parlez? C'est ramassi, je vous ai dit, les vérités là, les supposées vérités qu'on balance partout n'ont aucun sens. Et je viens de vous donner encore des précisions. Autre chose, moi, c'est pas seulement à Lomé, ici à Dakar aussi et ailleurs, j'ai eu des dames qui saignaient de leur vagin. C'est-à-dire, on appelle ça en médecine une métrorragie. Depuis presque 2 ans, des gens ont été opérés pour fibrome. Parce qu'on suppose que le fibrome, c'est ça qui fait saigner. C'est vrai, relativement. Ce n'est pas une vérité absolue. Maintenant, les dames ont été opérées de fibrome plusieurs fois. Et elles continuent à saigner. Et ces dames-là, quand elles sont arrivées chez moi, c'est parce qu'on leur avait proposé de leur enlever l'utérus. Et il y en a parmi elles qui n'ont qu'un seul enfant, d'autres qui n'en ont même pas. Et on veut leur enlever l'utérus. Alors qu'on a déjà enlevé les fibromes, hein, qu'on a enlevé plusieurs fois, le saignement continue. On leur a prescrit tous les médicaments anticoagulants. Tous les médicaments qui existent, hémocaprol, il y a un qui est très courant. Tout a été utilisé en vain. Ces dames sont venues chez moi, bien qu'elles saignent. Depuis plus de 2 ans, opérées plusieurs fois, elles sont venues chez moi.
Moi, j'ai mis du Lovenox. Écoutez très bien. J'ai mis le Lovenox et je leur ai dit, dans les 8 jours qui vont venir, vous pouvez avoir des saignements avec des caillots. Quand ça vient, vous arrêtez le Lovenox. Le temps que le saignement s'arrête. Elles l'ont fait. Le saignement est venu avec des caillots. Malgré qu'elles saignaient avant, elles l'ont fait. Et le saignement est venu effectivement avec des caillots. Il y a une, je me rappelle, je tais son nom, elle l'a docteur, mais tu vas me tuer. Tu m'as mis un anticoagulant, mais tu sais que je saignais et autres. Une grande dame responsable d'une grande organisation. Et j'ai ri. Peut-être que celui qui me l'a amené aussi est connecté. Il fait partie de gens, des gens que j'ai formés ici à Dakar. Je tais le nom. Et il est parti le voir. Ton docteur là va me tuer. Il fait ci, il fait ça. Et j'ai commencé par rire. Une semaine après qu'elle ait arrêté le Lovenox, on a attendu que son saignement, qui est une hémorragie de privation, s'est arrêté. Et on a repris le Lovenox. Et depuis ce temps, les règles sont redevenues normales et elle n'a plus de saignement continu. Vous voyez que vous dire que le Lovenox va provoquer des saignements, il y a des moments où même quand les gens saignent, vous devez donner le Lovenox. Mais ça demande une maîtrise des facteurs de la coagulation. Parce qu'il y a une maladie que les gens ne connaissent pas, qu'on appelle la déficience. La maladie de la déficience des facteurs de coagulation, c'est-à-dire la maladie de la consommation des facteurs de coagulation. Je vais vous expliquer brièvement, de façon très terre à terre, pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui saignent et leur saignement ne se coagule pas. Pourquoi? Parce que les facteurs de coagulation que Dieu a mis en nous, ils saignent un peu dans leur corps et ces facteurs de coagulation sont tous partis bloquer ça, au point où il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'ils saignent. Pour vous donner une image, c'est comme vous avez un commissariat qui a 10 policiers dans un quartier. Et dans le quartier, il y a 10 problèmes dans le quartier. Les policiers là sont partis pour régler les 10 problèmes. Maintenant, tant qu'ils ne sont pas revenus, tous les problèmes qui se poseraient dans le quartier, est-ce qu'il y aura un policier pour pouvoir le régler? Non. Il faut que ces policiers-là reviennent ou bien on les fait revenir pour qu'ils s'occupent d'autres problèmes. C'est exactement de la même manière que des gens qui saignent par leur vagin, à qui on a tout proposé, qui ne marchent pas, qui ont les maladies de la consommation, des facteurs de coagulation, il suffit de leur donner des anticoagulants et de les surveiller. Et bizarre, vous allez voir, toutes les dames à qui j'ai fait ça, qui saignaient aujourd'hui, font leurs règles normalement et naturellement. Vous voyez, j'espère que M. Adoko n'en a jamais entendu parler. La maladie de la consommation des facteurs de coagulation. C'est ça, c'est des choses qui existent. Ça, c'est un autre niveau, je ne peux pas vous partager ça, mais je vous le dis. Tant que vous n'avez pas un saignement apparent, et tant que la personne qui perd conscience ou bien qui a des problèmes de santé n'a pas reçu un coup, c'est-à-dire n'est pas traumatisé, Lovenox et rien que Lovenox, parce que c'est ce qui est la seule assurance vie. Ceux qui vous racontent les bobards là, partout, je vous le dis, c'est des diplômés de la rue. Quoique nous, les diplômés d'université, on n'est pas très bons, ce n'est pas le diplômé de la rue qui sera meilleur. Et Dieu sait combien il y en a et combien il y en a eu qui m'ont traité de tous les noms alors qu'elles n'ont même pas le CEP pour parler de BEPC. Il y en a plein dans les pharmacies à Lomé. Je croyais que c'était à Lomé seulement, mais c'est partout dans les pays francophones. Vraiment. Voilà. J'espère que je me suis fait clair et que vous avez compris pour la première question. Le Lovenox, les risques d'hémorragie interne, je vous ai dit les garde-fous. J'espère que je me suis fait clair. Ce n'est pas parce que quelqu'un saigne qu'on ne doit pas lui faire du Lovenox. Non. Maintenant, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous n'avez pas la science
comme il le faut, mais je vous ai donné les limites à peu près. Vous devez vérifier seulement que la personne ne saigne pas extérieurement et que la personne n'a pas reçu un coup, c'est-à-dire n'est pas traumatisée. Dès que vous n'avez pas ça, le Lovenox est l'assurance vie. Le Lovenox est l'aide à l'urgentiste que nous avons en nous, que Dieu a mis en nous. J'espère que je me suis fait clair. Merci. Merci beaucoup, docteur. Maintenant... La deuxième question. Oui. Qui parle de tension normale? La tension normale a évolué depuis des siècles. Depuis des décennies. Quand je faisais la médecine en tant qu'étudiant, jusqu'à être médecin, l'hypertension s'est définie à 16-9. Après, c'est passé à 15. Après, maintenant, c'est à 14. Vous comprenez? Donc, déjà aujourd'hui, quand tu as 14, on dit que tu es hypertendu. Je vous ai dit, l'hypertension ne veut rien dire. Seulement, la normale, c'est 12. C'est entre 11 et 12 pour la maxima. C'est-à-dire entre 110 et 120 pour la maxima ou la maximale ou la systolique. Et entre 50, 60 et 85 ou bien 8,5 pour la minima, la minimale ou la diastolique. Voilà ce que vous devez savoir. Mais si vous m'avez suivi ici et que vous avez compris le partage que j'ai fait, c'est l'hypotension qui doit vous faire peur. Parce que la tension va petit à petit à s'arrêter, donc qui vous amène vers la mort. Ce n'est pas l'hypertension qui doit vous faire paniquer. C'est l'hypotension qui doit vous faire paniquer. La normale, je viens de vous le donner. Donc, quand une tension est en bas de 9 pour la maxima, là, c'est dangereux parce que la force du cœur est presque perdue. Donc, c'est l'hypotension qui doit vous faire plutôt paniquer. Ce n'est pas l'hyper. Et pour régler l'hypotension, il y a des médicaments comme Peptamil et Fortil qui sont très efficaces, mais je vous dirais simplement, mangez salé. Prenez des trucs salés. Et buvez beaucoup, c'est-à-dire vous faites une bouillie de riz, la bouillie de riz, et puis vous mettez du sel dedans. C'est assez facile à régler. Mais quand ça traîne, il faut comprendre pourquoi ça traîne. Parce que des fois, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la maxima montre la force du cœur, mais quand cette maxima baisse aussi, ça montre que le cœur est faible. Et donc, vous voyez un peu. Voilà. C'est la peur que vous devez avoir, c'est plutôt l'hypotension qui doit vous donner cette peur-là. Ce n'est pas l'hyper. Voilà. Donc, la tension normale, je vous ai donné ça maximum 12, inférieur à 13. Pour la minimale, ça doit être toujours inférieur à 9, c'est-à-dire 90. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la deuxième question aussi. Mais je vous le dis, ce n'est pas l'hyper qui doit vous faire peur, mais c'est plutôt l'hypo qui doit vous faire peur. En plus, l'hyper, quand ça vient, ce n'est pas l'hypertension qui est le problème, c'est la solution, c'est l'ange qui vous permet de survivre. Donc, le problème, c'est les caillots. Donc, il faut faire baisser l'hyper, c'est les anticoagulants qu'il faut faire. Et j'espère que vous vous rappelez de témoignages du docteur Amadou d'il y a 3 semaines. Vous vous rappelez des témoignages du docteur Amadou d'il y a 3 semaines. Et ça, je crois que maintenant, vous comprenez très bien que vous ne devez plus avoir peur de l'hypertension. Mais l'hypertension est un signe qui vous dit vous avez des problèmes de circulation, vous avez des caillots pleins.
Et si vous voyez le bilan de santé que je vous ai demandé de faire ici, on a fait la révision, vous comprenez tout. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur Jean-Paul Amédan. On profite aussi du moment pour remercier docteur Amadou. Docteur Amadou a tenu sa promesse. Il nous a envoyé quelques boîtes de Lovenox 4000. Donc, c'est avec nous actuellement ici. Et je crois qu'à la prochaine séance, on va essayer de l'injecter aux gens. C'est ça. On a nous envoyé quelques boîtes. Un grand merci au docteur Amadou, parce que vous voyez le Lovenox là, c'est comme ça que le Lovenox est présenté en Europe, présenté en France. Parce que ce Lovenox un truc de sécurité sort dedans pour empêcher que vous ne puissiez blesser vos intestins ou autre chose. Et il y a un système de protection dedans. Et ça, bon, c'est ce qui se vend en France. Mais chez nous, ici, puisque nous sommes considérés comme des animaux, il n'y a pas de sécurité chez nous. Voilà. Ce Lovenox, là, la façon de présenter, il y a un piston avec des ressorts qui permet de protéger les intestins et autres. Donc, c'est très bien. Malheureusement, on n'a pas ça chez nous parce que nous sommes considérés comme des animaux qui n'ont pas besoin de vivre. Et on a un Lovenox comme ça qui coûte deux fois moins cher que ce que nous avons dans nos pays. Vous voyez, malheureusement. Oui, nous allons maintenant continuer avec les questions-réponses. Donc, la salle, si vous avez des soucis et si vous avez des zones d'ombre à éclaircir, alors envoyez vite vos questions pour que le docteur nous aide. Donc, à vos claviers. Il y a une question. Si c'est plus. Il faut que ce soit des questions d'intérêt général. Hein, comme ça, on comprend. Ça aide tout le monde à comprendre. D'accord. Il y a M. Bézan qui envoie une question. Il dit ceci: ne disposant que de l'oxymètre, est-ce suffisant pour savoir quoi faire en cas de douleur ou alerte ou malaisance? Non, non, puisque l'oxymètre vous montre le niveau d'oxygénation globale. Quand vous avez une douleur quelque part, vous n'avez pas d'appareil pour mesurer l'oxygénation là-bas. Mais ce que vous savez, c'est que quand vous avez une douleur quelque part, c'est parce que le sang ne circule pratiquement pas là-bas. Et pour le faire, faites du Lovenox. Quand vous avez les précautions, si quelqu'un a eu un traumatisme, on lui a donné un coup et il a mal, c'est différent. Si quelqu'un a eu un accident, c'est différent. On ne peut pas lui faire le Lovenox comme ça. Mais si la personne n'a pas fait d'accident et autre, et il a une douleur, faites le Lovenox. Vous allez voir, la douleur disparaît seule. C'est comme par magie. Merci beaucoup, docteur. Ce n'est pas l'oxymètre qui permettra de savoir pourquoi il a mal. Parce que l'oxymètre, vous allez le mettre au bout des doigts, ça donne une image de l'oxygénation globale. Pas là où il y a la douleur. C'est pour ça, à ceux qui sont des ingénieurs ici, vous avez à innover, à inventer. Hein? Avec ce que nous partageons ici, vous avez, on doit refaire totalement la santé, autrement avec de nouveaux équipements, de nouvelles façons de voir. S'il y a des électroniciens et des ingénieurs de conception et autres, vous allez voir qu'on peut faire beaucoup d'autres choses et des choses bien, avec amour. Voilà. Merci beaucoup, docteur. On va maintenant répondre à la question de Kossi qui dit ceci. C'est bon de prendre de temps en temps le Lovenox pour bien faire circuler son sang, même si on n'est pas malade? Et à quelle réponse? Oui, puisque nous mangeons tous mal et tout ce que nous mangeons coagule notre sang. J'ai développé tout ce qui est santé aujourd'hui. Vous avez compris. Mais il y a un bémol de tout ce que j'ai développé que je n'ai pas détaillé. Vous voyez que tout est oxygène. Et circulation même, c'est oxygène. Parce que le sang ne circule que lorsqu'il a de l'oxygène à transporter. S'il n'a pas d'oxygène, il s'arrête. C'est pour ça que quand on étouffe quelqu'un, il n'est pas malade, mais il meurt. La personne n'est pas malade. Il n'a aucun problème de santé. Mais quand vous l'étouffez, il meurt.
Pourquoi? Parce que le sang a pour rôle de transporter l'oxygène. S'il n'a pas suffisamment d'oxygène à transporter, il ne bouge plus. Et vous devez le comprendre. Maintenant, ce que vous savez aussi, c'est que ce qui nous apporte naturellement de l'oxygène, c'est quoi? C'est les végétaux. Les végétaux, pour nous, c'est les feuilles, les fruits, les légumes. Et puisque nous ne mangeons pas les fruits et les légumes comme cela se doit, et même si on en trouve, c'est des OGM truffés d'autres choses, vous voyez que personne, je dis bien personne, ne peut prétendre ne pas avoir des cailloux sur lui. Donc, de temps en temps, on peut se permettre, pour éviter des surprises, de faire du Lovenox. Et surtout lorsque vous avez des douleurs. Vous comprenez? Et la personne qui a posé la question, je lui ai donné la réponse qu'il faut. Parce que oui. Nous mangeons tous mal. Et de temps en temps, on peut se le permettre. Ça ne tue personne. Je le répète, ça n'a jamais tué quelqu'un. Arrêtez les ramassis diplômés de nos facultés de mort, là, qui racontent des histoires. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, on va répondre à la question de Adoko, qui dit ceci. Comment comprendre l'état des vaisseaux avec la minima? Ça a été déjà dit, je le renvoie à nos vidéos. Oui. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois ici, vous en êtes témoin. Donc, je le renvoie à nos vidéos, qu'ils comprennent. Eh bien, je vous informe que la vidéo est toujours sur Telegram et puis sur Facebook. Vous pouvez aller télécharger et regarder. Et on continue avec Serge Guéli, qui dit ceci, Serge Guéli du Bénin. Il dit, j'aimerais savoir s'il y a des plantes ou aliments que le docteur peut nous conseiller pour favoriser une bonne circulation du sang. On est réunis sur une plateforme de AIM où tout ce que AIM nous propose, c'est des fruits et des légumes qui nous apportent de l'oxygène totalement et qui permettent à ce que notre sang circule. Vous voyez? Donc ici, je ne parlerai que de Vidamax et peut-être de Restore Life. Mais tous les autres produits aussi, qui sont des légumes, font la même chose, puisque les légumes et les fruits nous apportent de l'oxygène. Voilà. Mais il y a des plantes, et ce serait en offre, il y a des plantes chez nous qui font ça. Mais vous savez, on est réunis ici pour partager la santé, pour partager l'amour, mais l'amour et l'oxygène et la santé que nous partageons sont nos produits ici. Donc, permettez-moi de ne pas donner d'autres détails. Mais vous savez que j'en donne souvent lorsqu'il y a quelques urgences à gérer, j'en donne. Ouais. Voilà. Ici, c'est Vidamars, c'est C24, c'est presque tous les produits font ça. Même le C suprême. Ceux qui connaissent ce qu'on appelle vitamine C savent de quoi je parle. Aussi, c'est un anticoagulant. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question qui vient de Mme Bangana du Togo. Il dit ceci. Merci, docteur, pour la formation concernant l'hypotension. Quels sont les produits d'alliance qu'il faut associer? Tous les produits d'alliance aident, mais en plus de ça, il faut manger salé. Si vous avez un problème d'hypotension, si la question est bien comprise, hein, parce que ça n'a pas été très précis. Si vous avez des problèmes d'hypotension, il faut prendre les produits AIM correctement, qui sont assez équilibrés, et puis manger un peu plus salé. C'est ce que je vous dirais, si vous ne voulez pas prendre d'autres produits. Sinon, il faudra prendre de l'heptamil ou bien Effortil, entre autres, pour pouvoir aider le cœur à accélérer la circulation sanguine. Voilà. Eh bien, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Bon, il a encore baissé. On ne sait pas si c'est une erreur. Et si la question veut avoir la parole, il peut encore lever la main et puis on lui donne la parole. On va continuer. Oui, c'est M. Moté. Et alors, M. Moté, si vous êtes en ligne, allumez votre micro et puis
votre caméra, s'il vous plaît. Allô, monsieur. Hello. Oui, allô. Bonsoir, bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir, monsieur Monté. S'il vous plaît, je viens de prendre la formation en vol, mais j'aimerais poser une question concernant le produit Mortimol Bion, bon, qui fluidifie le sang, dont monsieur Amigan, docteur Amigan avait parlé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller à la pharmacie et acheter ce produit? Bien, nous sommes obligés de passer par les docteurs pour qu'ils... Oui, oui. Ça dit le Lovenox, vous voulez dire? C'est le Lovenox? Oui, c'est oui. Le Lovenox. Il faut parler de Lovenox. Oui, Lovenox, exactement, docteur. Mais en fait, vous ne pouvez pas accéder au Lovenox. Vous voyez? Normalement, le Lovenox devait être en vente libre. Comme le paracétamol qui tue... En vente libre. On vend librement. Plein de produits qui tuent se vendent librement. Le Lovenox, qui est l'assurance vie, qui est la sécurité, devait se vendre librement. Mais c'est verrouillé. C'est totalement verrouillé. Donc, vous devez passer par quelqu'un qui a autorisation de prescrire pour vous le procurer. Voilà. Pour le moment, c'est difficile parce que ceux qui sont à la pharmacie vont faire la récitation dont M. Adoko a parlé, vous n'aurez pas accès. Donc, il faut passer par quelqu'un qui peut vous le procurer. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question qui est là, c'est de Nefertiti. Il dit ceci, que faut-il faire lorsque quelqu'un fait AVC en direct devant toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il appelle AVC en direct? En tout cas, peut-être il est en ligne, il va encore reformuler sa question. Ce que je vais vous dire, devant tout AVC, même AVC, c'est-à-dire devant quiconque qui vient de faire un AVC, faites du Lovenox. Faites une ampoule de Lovenox 08. Ça ne va pas tuer quelqu'un. Devant tout AVC, faites du Lovenox. Parce que vous savez, c'est l'assurance vie, c'est ça qui sauve. C'est Dieu en vous. Et c'est Dieu par vous. Devant un AVC, faites du Lovenox. Même s'il y a une hémorragie méningée, on verra après. Mais le problème, c'est de sauver la personne le temps qu'il aille dans le système des services d'urgence. Mais quelqu'un qui fait un AVC, c'est qu'il est bourré de caillots de sang. Je répète, quelqu'un qui fait un AVC, c'est qu'il est bourré de caillots de sang et quelques caillots se sont déplacés vers le cerveau et ont bloqué un vaisseau, que ce soit un AVC ischémique en AIT ou non, que ce soit un AVC hémorragique, l'ampoule de Lovenox que vous allez faire d'entrée avant qu'on ne le prenne va le sauver plus tôt. Même si c'est une hémorragie, c'est un AVC hémorragique, l'ampoule de Lovenox 08 que vous allez lui faire va plutôt le sauver. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Vous voyez, sur le plan professionnel, nous on sait, dès que tu vois la personne, il y a une façon d'examiner les yeux. Si tu vois les yeux tout de suite, tu vois la réaction pupillaire et autre, et le fond d'œil, tu peux savoir si c'est un AVC hémorragique, mais vous n'avez pas cette compétence-là. Mais je vous le dis, faites le Lovenox. Si c'est un AVC, quel que soit le truc, faites le Lovenox. C'est dans l'intérêt de la vie de ce monsieur ou de cette dame. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Moi, je vais aller dans le même sens que le docteur. C'est un témoignage. Je vais dire qu'il y a de cela quelques semaines de passé. Il y a une dame, elle est parmi nous ici, elle est dans la salle, elle suit bien, elle sait, bon, c'est d'elle que je parle. Le mari a eu un problème comme ça, il allait faire l'AVC comme on a dit, et on m'a fait appel. On était arrivé rapidement, on a fait le Lovenox au monsieur, et puis après, bon, il s'est dirigé vers les services compétents, et puis après, aujourd'hui, le monsieur est en forme, et puis tout marche bien. Vous voyez, avec l'association des produits de Alliance Hypochine Globale, et la personne aujourd'hui, ça va mieux. Donc, c'est juste pour vous dire que Lovenox, moi, j'ai fait l'expérience et puis j'ai trouvé vraiment satisfaction.
Donc, oui. Vous voyez, en science, on n'est pas autorisé à partager un exemple. J'en ai plusieurs. Ce qu'il dit est une confirmation. C'est-à-dire, en science, pour pouvoir parler, il faut une trentaine d'exemples pour parler de science, c'est-à-dire de faits. Et comment l'appelle-t-on? Le mot va me venir. Et représentatif. Voilà. Donc, c'est ça. Mais ce qu'il dit, ce que j'ai à Fabrice dit, c'est vrai. Et c'est l'attitude que vous devez avoir tout le temps, sans exception. Si la personne ne fait pas un saignement apparent, externe, et que la personne, ce n'est pas un coup qu'il a reçu pour avoir le problème qu'il a, faites le Lovenox. C'est dans l'intérêt du patient et c'est pour sa vie. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Clouvi Kokwe qui envoie cette question. Elle dit ceci. Que faire si quelqu'un qui sent la remontée de l'acide dans sa bouche est de brûlure d'estomac? Pardon? Quand quelqu'un quoi? Que faire si quelqu'un qui sent la remontée de l'acide dans sa bouche? Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on partage. Les aigreurs d'estomac, les problèmes d'ulcères, les reflux gastro-œsophagiens, ça n'a rien à voir avec le thème qu'on partage aujourd'hui. Voilà. Oui, il y a Dior qui dit ceci. C'est quoi la mesure ambulatoire de la pression artérielle? La MAPA, c'est-à-dire la mesure ambulatoire, c'est que quelqu'un... C'est parce qu'on suppose que la personne est hyper tendue. Mais quand il va au cabinet ou bien il va voir son médecin, quand on mesure la tension, au moment où il va, on ne trouve pas la tension élevée. Et on lui place un appareil qui lui permet de vaquer à ses occupations. Et l'appareil, chaque 30 minutes, prend la tension, même en dormant, et nous donne une vision panoramique de la prise de tension sur tout le nictémère, c'est-à-dire sur 24 heures. Et comme ça, en recueillant ça, on peut savoir si par moment, la tension monte chez lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle la mesure ambulatoire de la pression artérielle. On te place un appareil qui mesure automatiquement la tension toutes les 30 minutes et pour 24 heures. Voilà, c'est rien du tout, c'est comme la tension que vous prenez. Seulement, on ne veut pas rester à côté de vous et vous le prendre tout le temps, on vous laisse vaquer à vos occupations et on note qu'il y a des variations et à partir de ça, on peut décider d'un traitement et on peut décider de quand vous faire prendre un traitement. Voilà. Bien, merci docteur. Il y a Nicolas qui dit ceci, qui demande à quelle fréquence peut-on administrer le Lovenox? La question est vague. Si tu veux faire ça pour ta santé, c'est tout autre. Si quelqu'un est malade, c'est en faisant des tests qu'on détermine. Voilà. OK. On continue toujours. Ça, c'est de Francine qui dit, je me l'injecte de temps en temps. Okay. Je vais vous poser une question. Pour ceux qui sont déjà formés, qui sont connectés ici, est-ce que vous avez compris vraiment pourquoi, quand vous étiez venu le premier jour de formation, j'ai fait faire le Lovenox à tout le monde? Vous avez compris maintenant? Ouais, si quelqu'un a compris, qu'il nous explique pourquoi je l'ai fait. Je n'ai pas fait à quelqu'un, je n'ai rien fait. Mais quand vous étiez tous arrivés, la vingtaine que vous étiez, il n'y a pas eu d'exception. Tout le monde a fait le Lovenox. Pourquoi je l'ai fait? Eh bien, les formés de Dr Jean-Paul Amégan, ouais, les premiers, j'en fais partie, mais je vais laisser la chance aux autres de répondre. Donc, le jour où on était arrivé, on a tous fait le Lovenox devant le docteur. Donc, pourquoi le docteur nous avait le Lovenox le jour-là? Et je crois qu'il y a leader Petros, leader Koulani, il y a notre grand leader Chérif Boubon qui sont là. Il y a leader Neyou. Il y a tout ce monde qui était là le présent le jour-là. Pourquoi on nous avait fait le Lovenox? Est-ce que quelqu'un peut répondre? La personne lève la main et puis parle.
OK, il y a Dior qui dit ceci pour qu'il soit convaincu que ce n'est pas dangereux. Non, ce n'était pas le but. OK. Vous savez maintenant que ce n'est pas dangereux, mais ce n'était pas le but. C'est oui. Vrai que ça va les rassurer que ce n'était pas pour. Si c'est pour les convaincre, beaucoup ici à qui je parle, qui ne m'ont jamais vu, à qui je n'ai jamais fait ça, savent que ce n'est pas dangereux. Parce que je le répète à mon dos vision. Je le dis, je le répète à mon dos vision. Ce n'est pas dangereux du tout. Donc, ce n'est pas le but. Mais j'ai fait faire à tout le monde sans exception, tous ceux qui sont venus se former, je leur ai fait faire ça. Alors, Il y a Tida Touré qui est là. Elle dit ceci. Pour assurer la bonne circulation sanguine dans un contexte de COVID-19. Même sans COVID, je ferai pareil. Oui. Même sans COVID, je ferai pareil. Alors, eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont au Sénégal. Les Sénégalais répondaient. Et Côte d'Ivoire répondait. Il y a Bénin aussi. Ange Akovo qui est là. Répondez. Il y a des réponses qui sont là. On va les lire rapidement. Il y a Gia Polani, c'est du côté du Togo, informé par Dr Jean-Paul Amégan. Lui dit ceci. Pour assurer que tout le monde a une bonne circulation du sang pour bien poursuivre la formation. C'est tout. Que quelqu'un ait un problème de santé ou pas, peu importe, j'assure la circulation. Je le fais faire pour tout le monde pour que dans les 24 heures qui suivent, tout le monde soit requinqué et bien boosté et autres. Quelle que soit la maladie qui peut traîner, il suffit de le faire et que tout aille mieux. Vous voyez un peu? Je n'ai pas pris l'attention aux gens, je n'ai rien fait. Mais j'ai forcé tout le monde. Et je leur ai montré directement comment se faire soi-même. Et tout le monde l'a fait. Même les gens qui avaient des peurs terribles se sont fait ça le jour-là. Voilà. Donc, pour la personne qui a posé la question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade doit se le faire? Vous comprenez? Moi, je m'en fais de temps en temps quand je ne me sens pas bien. Effectivement, moi-même, moi-même, j'en fais de temps en temps avec une boîte des injections, quelques 1-2 mois. Là, bon, Voilà, et quand tu as mal quelque part, ou bien tu te sens un peu grognon ou sans entrer, si tu le fais, tu vas voir que tout de suite, ça va de soi. Je crois que le docteur Armand veut nous dire quelque chose, mais il n'a pas levé la main sur l'ordinateur, mais je le vois parler. Alors, si on pouvait lui donner la parole, qu'il nous dise ce qu'il veut dire. Eh bien, si docteur Armand est en ligne, on lui donne la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît, docteur Armand. Alors, docteur. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous reçoit sur 5, allez-y. 1/5. Allô, docteur Armand? Il semble que docteur Armand ait un petit souci là. C'est au niveau de... On l'avait entendu tout à l'heure, mais bon. Oui, j'ai entendu sa voix tout à l'heure et puis après, bon, ça a disparu. Allô, docteur Armand, vous êtes en ligne? Activez le micro, la caméra. Allô? Vous m'entendez? Oui. Bon. Bon, voilà. C'est simplement pour dire que depuis que j'ai connu Dr Amégan et qu'il m'a expliqué que mon assurance vie était le Lovenox, j'ai toujours du Lovenox. Actuellement, j'ai au moins une quarantaine de Lovenox avec moi, 8000. C'est wow. Vous dire que je tiens à ce produit. Et dès que je sens quelque chose ne va pas, je me le fais tranquillement. Oui, mais donc, n'oubliez pas de nous dire aussi que vous l'utilisez pour les animaux. Hein. Je suis rentré en conflit avec une dame, un client d'ailleurs, qui se croyait intellectuel. Son chien a fait un AVC. On m'a appelé.
Je suis allé, la seule chose que j'ai faite, c'était de lui faire un Lovenox 8000. Ça, je l'ai fait vers 13 heures. À 18 heures, le chien qui ne pouvait pas se lever et qui se cognait de part et d'autre, se cognait la tête, il tombait, est redevenu normal. Vous comprenez, seuls les chiens domestiqués, comme nous les humains, peuvent faire des ABC. Les chiens errants, rarement. N'en font pas, oui. Ça c'est vrai. Là, vous voyez, le chien domestiqué a fait ABC et c'est Lovenox. Oui, je vous laisse continuer. Et le lendemain, j'ai renouvelé le Lovenox. Je lui ai fait finalement, au bout de, je crois, 3 ampoules. Et avec ça, son chien est redevenu normal. La dame était surprise. Quelque temps après, c'est un chien qui a fait l'AVC à partir d'une angoisse. Il a vu sa maîtresse partir pour se faire hospitaliser. Et à partir de là, elle est devenue très inquiète. Et ça a créé l'AVC chez cette chienne. Ça, c'est d'une autre dimension. C'est d'une autre dimension quantique, on ne va pas entrer dans les détails. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'avoir des animaux domestiques à la maison, parce que l'animal peut te sauver en transférant la vibration dangereuse sur lui. Affirmatif, c'est exactement ce qui se passe. C'est d'un autre niveau, donc on ne va pas. Mais on va pas vous comprenez que quand le sang circule, voilà. J'explique. Mais vous savez que quand cette dame est redevenue normale, elle a récupéré, qu'elle est rentrée. J'ai continué, j'ai voulu continuer parce qu'elle m'a interdit en disant que c'était dangereux, que c'était ceci, c'est ça. C'est ça qui a sauvé ta chienne et c'est devenu dangereux. Bon, c'est ton chien, tu as le droit. Elle disait que c'était un peu trop cher pour elle et qu'elle ne pouvait pas continuer. J'ai dit, si vous ne continuez pas, vous prenez vos responsabilités. Moi, j'ai fait mon travail, vous me payez et puis c'est terminé. Et c'est pour ça, vous. C'est pour... Ça, c'est tout un autre problème. Le coût du produit n'est pas le problème de l'efficacité. Ça, c'est tout un autre problème. Les gens n'en tiennent pas compte. C'est ça. Ceci étant, c'est pour vous dire que moi, avec le Lovenox, je ne badine pas. J'ai toujours du Lovenox. Une ou deux ampoules dans mon sac. Et moi-même, je vous ai raconté l'histoire du Sea Plaza où j'ai fait un CIVD en direct et je suis rentré dans une pharmacie pour acheter du Lovenox et me le faire immédiatement. 5 minutes après, je n'avais plus rien. Ça, c'est du concret. Bon, j'espère que ceux qui sont connectés ici comprennent maintenant que notre santé... C'est la circulation sanguine et qu'il faut tout faire pour que notre sang circule. Même les gens qui tremblent, les maladies de Parkinson et autres. Ouais. Mettez le Lovenox surveillé, vous verrez, vous serez surpris. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas pour ça qu'on s'est réunis. On s'est réunis pour l'hypertension et je vous l'ai dit, l'hypertension n'a jamais été une maladie. Au contraire, c'est une urgence. C'est pour ça que j'ai écrit un poème pour m'excuser pour tout le tort que les gens continuent à faire et que j'ai fait à l'hypertension. J'avais écrit un poème aussi pour la douleur qui a été lu pour les gens qui sont à Lomé. Ça a été lu sur Taxi FM. Mais pour l'hypertension, je ne l'avais pas publié parce que c'est des trucs qui sont dans le livre à paraître. Et je demande excuse, je demande pardon à l'hypertension. Je vais vous lire ça en partie et vous allez voir. Hypertension, pardon. Je demande pardon, hypertension. Je fais amende honorable car tu m'étais dit mort probable. Tu m'étais dit signe de mourance, que tu signes la mort en silence.
tu m'étais dit signe de souffrance, pire, comme la souffrance elle-même, alors que tu n'es que signe de naissance. Tu étais signe de résilience. Tu étais signe d'amour, amour de Dieu pour nous. Comment pouvait-on vous considérer comme problème, comme une maladie, comme un tueur blême? Seuls ceux atteints du syndrome de Faust devraient croire à ce faux perpétuellement. Je demande pardon. Ce que je viens de vous lire, c'est lourd de sens. Quand même je lis, je tremble dedans. On condamne les innocents, on condamne les bons. Alors que ce qu'on nous propose sont des oxymores. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle oxymore. C'est-à-dire, lorsque tu dis à quelqu'un, tu associes deux choses contraires. Je dis par exemple, une mort douce. C'est un oxymore. Je dis par exemple un silence, comment je peux dire, un silence éloquent. Vous voyez, l'éloquence et le silence sont contraires. Parce qu'on ne peut pas vous savoir éloquent tant que vous ne parlez pas. Lorsque je dis un silence éloquent, c'est, on appelle ça un oxymore. C'est deux contraires, mais vous voyez, une nuit claire, par exemple. Donc, l'hypertension, le traitement anti-hypertenseur est un oxymore. Vous voyez l'image que je donne de la chose parce que la littérature est de la mathématique et autres aussi. Donc, vous voyez, c'est ça. Et vous devez prendre sur vous que vous ne devez plus vous laisser emballer, trimballer, parce qu'on vous donne des galons, des diplômes en plus. Et c'est pour ça, vous devez, et je suis sûr qu'avec moi, vous tous vous demandez pardon à l'hypertension que vous condamnez, que vous insultez tout le temps, que vous combattez tout le temps, alors que c'est Dieu en vous. C'est-à-dire, vous insultez Dieu. Comment vous voulez que le malheur, vos malheurs cessent? Comment? Vous ne pouvez pas faire de la science et communiquer sans faire de la poésie. Vous comprenez? C'est pour ça, quand j'ai parlé, j'ai écrit un poème sur la douleur, un long poème sur la douleur, dans les détails. Quand vous lisez, vous avez froid dans le dos. Mais toujours des gens vont se considérer comme attaqués. Or, je vous le dis, on est ici réunis, j'ai prêté serment pour la vie. Donc, un serment pour l'amour et dans l'amour. Donc, je respecte mon serment. Et mon serment n'est pas fait pour respecter un ordre des médecins ou bien respecter un ministère de la mort ou de la médecine qu'on appelle ministère de la santé. Non, je jure pour la vie des animaux, la vie des humains. J'ai juré pour ça. Et c'est pour ça, le serment que doit prêter quelqu'un qui s'occupe de la santé doit être un serment d'amour. On nous a dit que l'hypertension signe la mourance. Vous savez ce qu'on appelle mourance? Mourance, c'est tout ce qui amène les signes qui précèdent physiologiquement ou bien psychologiquement la mort. On appelle ça mourance, mour, c'est-à-dire M-O-U-R-A-N,
C-E, mourance, c'est un mot français. Donc, vous voyez, si vous voulez faire le contraire de la mourance, vous devez mettre amour. C'est-à-dire amour. La mourance amène à la mort. L'amour amène à la vie. La mourance est acidose. Amour est alcalin. Vous voyez les images que je donne, vous comprenez? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas parler correctement une langue sans être science. Ce n'est pas possible. Ces mots cachent la science. C'est pour ça, quand je parle de mourance, quand tu veux faire le contraire de mourance, c'est amourance. Ça s'appelle amour. Je vous amène à un de notre niveau de compréhension, mais ça doit être votre vie de tous les jours. C'est ce qu'on devait nous apprendre à l'école primaire. Mais avant de finir la séance d'aujourd'hui, je vous pose une question. Comment vous pouvez financer votre santé? Banalement, simplement. Comment vous pouvez financer votre santé? Eh bien, allons-y. Comment pouvons-nous financer notre santé? Je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. Quand on dit financer, là, les gens tout de suite pensent argent. Je ne parle pas argent. Alors, comment vous pouvez financer votre santé? Il y a Marie-Louise qui dit ceci, en mangeant de l'oxygène. C'est tout? Eh bien, nous sommes nombreux. Est-ce que c'est tout? En mangeant de l'oxygène. Si tu manges de l'oxygène et que je t'étouffe, il y a Gia Colani qui dit toujours oxygène. Là, ce sont les formés par Dr Jean-Paul Amélie. Comment financer votre santé? Je sais que les réponses que les gens donnent sur l'alimentation, c'est de très bonnes réponses, en fait. Mais il y a un bémol. Comment financer? C'est-à-dire, comment financer votre santé? Et vous vous rappelez, j'avais partagé ici, on a fait des vidéos là-dessus. On a tout dit. J'ai dit, le ministère du Commerce et de la Solidarité, c'est tel, tel, tel. Hein? Vous vous rappelez? Vous avez tous oublié. Alors que tout ça, on l'avait partagé ici. Je le rappelle tout simplement pour vous dire qu'on va parler d'autres maladies après, d'autres problèmes, de faux problèmes aussi après, comme les arthroses, on en avait parlé. Mais comment financer votre santé? Il y a Dior qui dit garantir l'oxygène libre est lié à la circulation sanguine. Oui, mais c'est ça, financer, c'est apporter des choses qui ont valeur. Donc, alors. Il y a Iloberti du Brésil, de Brazzaville, qui dit en mangeant de la nourriture alcaline. C'est pas tout. Eh bien, allez-y. Vous comprenez que tout ce qui doit financer votre santé, votre ministère de la Santé, c'est quoi? La vraie ministère de la Santé, c'est quoi? En vous ou bien dans votre vie, ministère de la Santé, c'est quoi? Eh bien, en nous, c'est quoi le ministère de la Santé? Allez-y. Qu'est-ce qui représente le ministère de la Santé en nous? Il y a Francine qui dit le cœur. Non. C'est le ministère de la Solidarité, ça. Il y a Dior qui dit circulation sanguine. Commerce, oui. Il y a Moté qui dit un bon conseil, un bon sommeil et une bonne alimentation. Non, selon moi. Ça veut dire que les gens oublient ou bien n'ont pas suivi. J'en avais parlé en détail ici. On ne va pas traîner là-dessus. 15 heures est passée. Mais vous savez que vous devez financer votre santé juste en faisant du sport, c'est-à-dire par le sport et l'alimentation, point. Quelle alimentation? L'alimentation alcalinisante. Et en faisant du sport, point. C'est tout. C'est ça qui finance votre santé. C'est rien d'autre. Donc, votre santé, c'est faire du sport et puis
manger, c'est-à-dire s'alimenter correctement. S'alimenter correctement veut dire s'alimenter avec des choses alcalinisantes. Maintenant, si les gens ont compris qu'à s'alimenter correctement, actuellement, c'est quoi? C'est manger les viennoiseries, du pain, du lait, aller dans les restaurants avec beaucoup de bouillon. C'est ça, les gens croient que c'est manger correctement ça. Bon, c'est dommage, ça n'a rien à voir. Et quand on dit ministère de la Santé, normalement, le ministère de la Santé devait avoir le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est ça, la santé. Ce n'est pas la médecine. Et ça, je l'ai toujours dit, et vous le savez. Votre santé s'achète au marché et dans la cuisine. C'est ça. La preuve, ceux qui vous soignent vos maux ont les mêmes maux. Ceux qui vous soignent vos maux ont les mêmes maux. Et c'est pour ça, vous qui êtes connectés ici, vous qui êtes membre d'AIM, vous ne devez plus être des diabétiques diabétologues. C'est des conneries. Vous ne devez plus être des hypertendus cardiologues. C'est des conneries. Ça dit ça n'a pas de sens. Hein? On vient chercher chez vous ce qu'on n'a pas. Et quand on vient chez vous, le problème qu'on vient, pour lequel on vient chercher la solution, vous avez le problème. C'est quoi ça? Donc, l'alimentation et le sport sont les sources de financement clés de votre santé. Rien d'autre. Donc, si notre maladie vient de l'alimentation, pour guérir la maladie, c'est l'alimentation qu'il faut guérir d'abord. Et je vais vous dire encore quelque chose. Quand les gens sont malades, arrivés à un moment donné, ils n'ont plus d'appétit, ils n'ont plus envie de manger. Est-ce que ne pas avoir envie de manger est un problème ou une solution? Je vous pose la question. Eh bien, lorsque quelqu'un est souffrant, malade, et qu'il n'a plus envie de manger... Il arrive des moments où il n'a plus envie de manger. Est-ce que c'est une solution ou bien un problème? La perte de l'appétit, est-ce une solution ou un problème? Il y a déjà les réponses qui sont là. Il y a Dior qui dit que c'est une solution. Et il y a quelqu'un qui dit comment garder le lobinox. Bon, le problème que le docteur pose, il y a Candidate qui dit que c'est une solution. Il y a Clouvi qui dit que c'est une solution. Oui, la bonne réponse, c'est une solution. Mais c'est une solution à quel problème? Quand la personne perd l'appétit, c'est une solution. Quand il n'a pas envie de manger, c'est une solution. Comme l'hypertension, hein? Mais c'est une solution à quel problème? Voyez maintenant, la bonne réponse, c'est une solution. C'est-à-dire, vous devez raisonner à l'envers des idées reçues. C'est une solution à quel problème? C'est une solution à quel problème? La mauvaise alimentation, a dit Candidat Trou. Vous voyez, les réponses que vous donnez, c'est pas mauvais, mais c'est vague. Il y a Romanus qui dit à la malbouffe. Non, c'est la bonne réponse, hein, mais la réponse n'est pas précise. C'est-à-dire, vous donnez des réponses qui obligent à vous poser encore d'autres questions. C'est parce que ce que vous avez l'habitude de manger est la cause de vos problèmes. Est la cause de vos, c'est-à-dire de la perte d'appétit. L'organisme voyant que le problème que vous avez est causé par ce que vous mangez, que vous avez l'habitude de manger, donc l'organisme refuse de manger ce que vous avez l'habitude de manger. Le problème, c'est ce que vous avez l'habitude de manger. Ce n'est pas la malbouffe. Quand vous dites la mauvaise alimentation, c'est vrai. La malbouffe, c'est vrai, mais c'est vague. C'est vague. Ce que la personne a l'habitude de manger, c'est ça qui est la cause de son mal-être.
Donc, la perte d'appétit, c'est pour empêcher qu'il ne mange ce qu'il a l'habitude de manger. Si vous changez ce qu'il a l'habitude de manger, vous allez voir que l'appétit revient. Mm-hmm. Vous comprenez? Oui. Si vous changez ce qu'il a l'habitude de manger, vous allez voir que l'appétit revient. Ça veut dire que la perte d'appétit qui est supposée être un problème, en fait, c'est une solution. C'est comme, par exemple, jeûner. C'est-à-dire, c'est la nature, c'est Dieu qui vous oblige à jeûner pour guérir. C'est la nature qui vous oblige à jeûner pour guérir. Un enfant, tu lui donnes des choses, il dit, et un jour tu lui donnes, tu refuses. Je vais vous donner l'exemple d'une maladie. Il y a des enfants qui naissent, qui refusent de téter. Mais si tu forces l'enfant à téter, tu vas le tuer. C'est vrai. Parce que le lait est toxique pour cet enfant. Il n'arrive pas à le transformer. C'est une maladie assez spécifique d'une enzyme que l'enfant n'a pas. Si vous le forcez, il va mourir parce qu'il va garder le lait, la partie du lait non transformée, qui vont le tuer. C'est exactement la même chose. Vous voyez que les signes que nous avons devront être revus et interprétés autrement. C'est pour ça, pour ceux qui vont se former pour le deuxième niveau, ils auront les livres des signes de médecine, mais ils vont apprendre à l'interpréter autrement. Il faut poser la question autrement. Vous voyez, il n'a pas d'appétit. Il faut lui donner des orexigènes, c'est-à-dire forcer lui à, le forcer à manger. Or, il n'a pas d'appétit parce que ce qu'il a l'habitude de manger l'intoxique, lui crée des problèmes. C'est ça. Vous devez toujours apprendre maintenant à raisonner à l'envers des idées reçues. Voilà. Mais monsieur Tanté a levé la main. Donnez-lui la parole, s'il vous plaît. Et puis, Si monsieur Tanté est en ligne, il n'a qu'à lever la main, on lui donne la parole. En tout temps, on va répondre à un couple qui nous suit, qui est dans la salle. Il demande à savoir comment on peut participer à la formation de Dr Jean-Paul Amégan. Eh bien, notez ce numéro 00-228-90-28-63-78. Vous envoyez votre nom et prénom à ce numéro et vous serez sur la liste. Après, il y aura un programme bien fixé et on va vous revenir. Donc, le couple qui demande à s'inscrire pour la formation, le numéro, c'est 00-228-90-28-63-78. Alors, on donne la parole maintenant à M. Tanté Nandi Napo. Allô, M. Tanté Nandi? Je suis en ligne. Oui. Merci à tous. Merci, docteur. Pour ma compréhension, que je voulais ajouter ceci, j'ai mal compris que le docteur me le dise par rapport à l'appétit, le manque d'appétit de manger là. Bon, je dirais que le fait qu'on n'a pas d'appétit, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'oxygène dans notre organisme et que ce que nous bouffons, nous ne pouvons plus bouffer, ça veut dire que ce que nous bouffons d'habitude, qui nous a freiné ça, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, nous continuons à manger quelque chose qui va encore bouffer le peu d'oxygène que nous avons dans notre corps. C'est pourquoi le corps refuse. Et si je comprends bien, je voulais que le docteur me dise. Oh non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dit d'une autre manière, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'oxygène. Et vous mangez des choses qui vont aller encore prendre le peu d'oxygène que vous avez. Et l'organisme refuse. Merci, docteur. L'organisme refuse. C'est ça, exactement. Merci, docteur. Vous voyez, nous devons raisonner à l'envers des idées reçues. Ces signes sont biaisés, interprétés autrement, pour que nous puissions aller acheter des choses pour produire de l'argent à d'autres. Alors que l'organisme, Dieu est dedans, c'est un temple de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes Dieu. Et Dieu est en nous. C'est ça, la vraie Trinité. Merci. Power.
Pas ouais, Merci. vraiment, pas ouais. Oui, on a de la chance ici et c'est ce que vous devez comprendre. C'est pour ça d'ailleurs, jeûner est thérapeutique. Tant que tu n'as pas ce que tu dois manger pour guérir et que tu n'as que ce qui te rend malade, il faut refuser de manger. Ça s'appelle jeûner. Et quand vous prenez le mot jeûner, vous ne pouvez pas déjeuner sans avoir jeûné. Vous ne pouvez pas déjeuner sans avoir jeûné. Les Anglais disent « to fast, to break fast ». Vous comprenez? C'est ça, ça dit, nous sommes, notre corps est fait de façon intelligente et nous devons apprendre à comprendre notre corps. Mais ce qu'on nous dit avec les médias mensonges, priorité maladie qu'on appelle priorité santé, toujours de l'oxymore, qui mentent à foison tout le temps. Je vais vous dire pourquoi je m'attaque à ça, c'est que cette radio-là ne s'écoute pas en France. Quand vous allez en France pour capter RFI, c'est difficile, très difficile, et le son n'est pas bon du tout. Mais le blanc vous aime tellement au point où il vient parler de votre santé chez vous et que chez lui, là, il ne veut pas que les gens écoutent ça. Et vous croyez qu'il vous dit vrai? C'est des mensonges d'endoctrinement. Et ça, il faut que les gens se... Non, non, je vous dis, le blanc vous aime tellement au point où il vient parler de votre santé en empêchant sa communauté, sa société, d'entendre ce qu'il dit. Et vous croyez qu'on vous dit des vrais? Les gens disent, c'est RFI qui a dit, RFI qui a dit, priorité, santé. On prend des répétiteurs ânes qu'on met en ersec pour nous abrutir et ils brandissent ça. Des cardiologues cardiopathes, des diabétologues diabétiques, des neurologues épileptiques, des psychiatres fous, des rhumatologues arthrosique, je vais en citer un en finir. Et on vous dit, c'est RFI, priorité santé. Priorité maladie, oui. RFI se capte difficilement en France. Le blanc vous aime tellement. Au point où il vient parler de votre santé comme des animaux dans la brousse et il empêche les humains qui sont chez lui, qui sont ses frères, d'écouter ça. Et les gens prennent les avions ici, je vais en France. Je vais en France. En tout cas, on a du chemin. On a du chemin. Mais je vous dirai tout simplement, vous ne savez pas ce que j'ai enduré. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows better love. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, alhamdulillah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh yes, my love. Sometimes I'm almost to the ground. Alhamdulillah. Je dirai encore. Pour encore paraphraser Armstrong Louis, sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home, a long way from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone, a long way. From home, a long
effectivement que ils se sentent tranquilles, imbus d'eux, mais ils ne savent pas qu'il y a un gospel qui dit wave in the water. Et pardon, wade comme wade in the water. Wade in the water. God gonna trouble the water. Et c'est God qui est en train de troubler leur tranquillité aujourd'hui. Ça, c'est du gospel. Je vous remercie. Je vous aime. Merci, What a wonderful world. Merci beaucoup, docteur. Merci. Il y a quelqu'un qui demande à savoir bon, comment il va garder l'Ovenox, si ou bien s'il faut mettre dans le réfrigérateur. Je lui dis que l'Ovenox se garde bon, dans la température ambiante. À température ambiante. Vous pouvez mettre ça dans votre poche. Ambiante. Votre sac, vous l'avez dans votre sac, bon, dans votre chambre, vous déposez à l'air libre, il n'y a pas de souci. Quand je dis aux gens, dans voiture, dans sac, à main, et partout où ils doivent aller, ils doivent comprendre que c'est tropicalisé. On n'a pas besoin de climatiser ça. Sinon, votre sac ne sera jamais climatisé. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons encore beaucoup appris. On va mettre fin pour la séance d'aujourd'hui en redonnant la parole au docteur pour ses mots de fin. Alors, docteur, vous avez la parole pour votre mot de fin. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je préfère... Je ne sais pas si Dr Amadou est là. Je lui dis merci. Et s'il est là et qu'il peut prendre la parole, je lui demanderai poliment de clôturer la séance d'aujourd'hui qui sera la fin de la séance de tout ce qui est raconté sur l'hypertension comme maladie. Aujourd'hui, l'hypertension est comme à la Kaaba. Astaghfirullah. L'hypertension est comme à la Kaaba. Et on doit faire pèlerinage pour aller l'adorer. L'hypertension est comme à Rome. On doit faire pèlerinage pour aller l'adorer. Pas pour le tuer et faire un deuil avec. L'hypertension n'a jamais tué quelqu'un. Mais si le docteur Amadou est là, je lui laisse aujourd'hui la chance et l'honneur de clôturer la séance sur l'hypertension. Merci. 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 Oui, bonjour. Qui est-ce, docteur Amadou? Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, vous avez la parole pour le mot de fin. Ah, je ne suis pas, au bureau, je suis en ville. Il y a beaucoup de bruit. Oui, on a remarqué ça. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. On vous entend 5 sur 5. Alors, OK. Docteur Amégan me fait l'honneur de me donner le soin de clôturer cette séance. C'est avec une joie immense que j'ai suivi cette énième séance des enseignements du docteur Amégan. Pour vrai dire, je suis très sincère, quand j'étais très jeune, j'étais petit, j'étais étudiant en médecine, j'entendais déjà parler du docteur Amégan, mais je l'entendais en mal. Ses collègues médecins ne faisaient que mal parler de lui. Et à un moment donné, je me suis dit, quand tout le monde parle mal de quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose de différent. Mm-hmm. Donc, je vais découvrir Dr Amégan. Voilà comment j'ai commencé à suivre les émissions de Dr Amégan clandestinement. Et puis après, je l'avais abordé pour la question d'hypertension artérielle. On en a discuté. Je lui ai fait part de mes connaissances sur l'hypertension artérielle. Ces connaissances m'étant données par la faculté de médecine de Lomé. Et comme le docteur a l'habitude de dire, quand on vous fait un cours sur l'hypertension artérielle à la faculté, vous allez tomber malade. Même si vous êtes en bonne santé, les termes qu'on vous sort dans le cours, les complications qu'on vous décrit, ça vous rend malade. On vous dit l'hypertension artérielle, dès que vous l'avez, c'est la mort assurée. Vous allez être traité à vie, mais vous n'aurez pas de solution. Et c'est comme ça que c'est enseigné. Dans les complications, on dit mort subite, crise cardiaque, AVC.
Ça veut dire que le cours sur l'hypertension artérielle donné dans nos facultés de médecine, c'est un cours qui effraie. C'est un cours qui vous dit que lorsque vous êtes hypertendu, vous allez mourir bientôt. Donc, c'est avec cette peur que j'ai abordé le docteur Amégan. Et il m'a rassuré. Dès sa première phrase, il m'a dit, « Docteur Amadou, vous n'allez pas mourir d'hypertension artérielle. » Et d'ailleurs, l'hypertension artérielle n'a jamais tué personne. Il dit, « Oh, j'ai jamais entendu cette phrase dans ma vie. » Au début, j'étais dubitatif. Mais après, j'ai suivi ces enseignements. J'ai suivi ces traitements. J'ai appliqué ces traitements aux gens. Et je vous assure qu'aujourd'hui, franchement, je peux vous dire que, avec les connaissances que j'ai acquises auprès du Dr Amégan, je vais vous dire que je suis au paradis. J'ai l'esprit libéré. J'ai vraiment l'esprit libéré. Et là, je ne sais pas comment remercier le Dr Amégan. Je pense que pour le remercier, ce que nous devons faire, d'abord, c'est de prier Dieu pour qu'il le garde longtemps en vie. Que le Dr Amégan fasse au moins 180 ans ou 200 ans sur cette terre. De le prendre pour que nous continuions à bénéficier de ces enseignements. Ce que nous devons faire aussi, c'est de l'aider à propager ses idées. D'ores et déjà, je vois que ces idées sont propagées parce que si vous allez sur TikTok, Facebook et autres, les gens sont en train d'abandonner les sucreries, les cocktails de fruits, les coca. Tout le monde conseille maintenant aux gens de prendre des fruits, de manger naturel, de manger alcalin. Et je sais que tout ça est parti de Dr Amégan. Même en Europe, les mentalités sont en train de changer. Les gens sont en train d'abandonner de plus en plus de la malbouffe. Et tout ça grâce au Dr Amégan. Dr Amégan, s'il y avait un prix que le peuple pouvait délivrer, si c'est le peuple qui délivrait des prix Nobel, je pense que vous aurez un prix Nobel. Ça vient de mon cœur. Ça vient de mon cœur de médecin et des expériences que j'ai acquises dans toute ma vie. Donc, docteur Amégan, votre travail ne sera pas vain. Nous allons nous charger de divulguer vos idées. Nous allons nous charger de publier des choses pour qu'un jour, le monde ainsi, ce monde soit différent du monde que nous avons connu. Qu'il soit différent du monde que nos parents ont connu. Nous allons refaire la médecine autrement. Donc, voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, vraiment, je ne sais plus quoi dire. Je suis tellement ravi, tellement content d'avoir découvert Dr Amégan comme il est, comme tel que Dieu l'a créé. Et non, le Dr Amégan qu'on a décrit à Lomé comme étant un docteur, je ne sais pas, assassin, qui ne comprenait rien de la médecine. Et vous voyez, dans l'histoire de la science, les grands savants n'ont pas été compris en leur temps. Quand Einstein a décrit sa théorie de la relativité, en son temps, personne ne l'avait cru. Ses collègues ne l'avaient pas cru. C'est des années après que les gens ont vu qu'il avait raison. Quand Galilée avait dit que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse, il a été tué. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est la même chose avec le docteur Amégan. Les gens ne l'avaient pas compris, mais les gens sont en train de le comprendre. Les jeunes médecins sont en train de le comprendre. Et son travail sera fait de son vivant. Nous allons changer les choses. C'est mon mot de fin. Merci, docteur Amégan. Merci. Merci, docteur Amadou. Merci pour vos mots gentils envers le docteur Jean-Paul Amégan. Et sur ce, nous allons clôturer la séance du jour. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Nous remercions sincèrement Monsieur Chérif Gungun et nos remerciements à nos fondateurs depuis Philippines. Et nous disons un grand merci au docteur Jean-Paul Amégan. Que Dieu lui prête vie et que tout le temps il soit avec nous avec ses conseils.